Bon matin à toutes et tous, on se retrouve eh bien pour le dernier message de cette semaine. Vous le savez, n'est-ce pas maintenant? Moi je termine la semaine avec vous le vendredi et nous sommes le vendredi 29 septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la carte la passion. Alors, la passion, ça peut être blanc et noir, n'est-ce pas? Cette carte la passion exprime des sentiments très forts, jusqu'à de la fougue. À la différence de l'amour, les choses manquent possiblement d'équilibre. On peut être passionné, n'est-ce pas? Et fougueux. Mais ce n'est qu'une passion. L'amour est éphémère. Alors cette carte, elle évoque une relation avec des émotions profondes qui peuvent être douloureuses. Alors cette carte, elle symbolise aussi l'embrassement des sentiments qui peut aboutir à une situation tumultueuse. Comme je vous le disais, la passion, ça peut être blanc comme ça peut être noir. Et ce qui peut conduire au pire comme au meilleur, n'est-ce pas? Voilà. On peut vivre une passion extraordinaire et on peut vivre une passion désastreuse. La passion peut en effet être peut-être les prémices d'une relation très épanouissante menant à l'équilibre et la prospérité. Mais pas que. Elle peut aussi mettre en relief la complexité de votre relation amoureuse chaotique. Donc c'est... Ce sont des situations qui ne sont pas faciles à vivre. Alors, cette carte, eh bien, elle vous invite à agir avec spontanéité et conviction pour vivre pleinement les opportunités qui se présentent à vous. Donc voilà, c'est vous seul savez ce que vous vivez. Et attention, parce que ça peut être aussi dans le côté amical, vous pourriez... aussi avoir une passion amicale et c'est pas forcément avec un amour inconditionnel. Voyez ce que je veux dire? Donc faites quand même attention, on peut avoir la passion de quelque chose, on peut avoir la passion de quelqu'un, mais qui, à l'encontre de l'amour, est destructeur. Donc voilà, la passion c'est beau quand c'est pur. Alors je termine avec la sagesse d'Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Voilà le message. Je voudrais revenir sur la passion. Questionnez-vous avec la personne que vous êtes. Est-ce que c'est de la passion ou c'est de l'amour profond, véritable, inconditionnel, ou c'est simplement une passion? Ou c'est peut-être un amour éphémère, n'est-ce pas? Donc voilà, à vous de voir. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, puisque nous entamons le week-end, dans la joie, le bonheur, le rire, l'enthousiasme, l'amour inconditionnel. On se retrouve dans une prochaine capsule.
Et puis d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Prenez soin de vous en douceur, dans la douceur, n'est-ce pas? C'est important. Et moi, eh bien, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule et je vous embrasse. À tout bientôt.